السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي التعلمين مرة أخرى، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. إذا هذا شريط الفيديو وأخير شريط بخصوص درس للواء رياكسيون كيميك. إذا بعدما تطرقنا إلى المرحلة الأولى وهو تطرقنا إلى الوضع القوسي فصل دونامس ورأينا الوضع القوسي فصل ديزاتوم أون تيب أون نوب. خلال هذه الشريطة وهذا الشريط سوف نرى comment équilibrer l'équation chimique d'une réaction chimique. Alors, équilibrer l'équation d'une réaction chimique, c'est tout simplement, doit être toujours équilibré. Pourquoi? Parce que on peut trouver des équations chimiques non équilibrées, c'est-à-dire ne sont pas correctes. C'est pour cela qu'il faut les équilibrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer une équation? C'est tout simplement, il faut ajouter des coefficients stoichiométriques, écrire bien sûr à gauche les formules, des molécules ou bien des atomes, afin que les atomes présents dans les réactifs se retrouvent au même nombre dans les produits, bien sûr aussi dans les réactifs. Alors, par exemple, je consomme cet exemple de quoi de l'équation chimique. Vous avez ici la réaction entre le dihydrogène plus le dioxygène, donc il donne bien sûr la molécule d'eau. Vous voyez ici donc il y a deux bien sûr, molécules de H2 réagissent avec une seule molécule de O2 pour former deux molécules de H2O. Donc, nous expliquons cette équation chimique. Vous avez ici, ça c'est l'indice, ce chiffre 2, et ce chiffre 2, ce sont des indices des molécules. Par contre, le chiffre 2, que j'écris ici à gauche de la formule H2, ça c'est ce qu'on appelle, c'est un coefficient stoichiométrique. C'est un nombre entier non nul. Alors, à gauche de la formule O2, il y a aussi 1. On n'écrit pas 1. Donc, à gauche de la formule H2O, donc vous avez ici le chiffre 2, ça signifie le coefficient stoichiométrique. Donc, comment on interprète cette équation chimique? Bien cette réaction chimique. On dit, deux molécules d'hydrogène réagissent avec une seule molécule de dioxygène pour donner, ou bien pour former deux molécules de l'eau. Ça, c'est pour le premier exemple. Deuxième exemple, la réaction entre le propane et le dioxygène, ça va nous donner le dioxyde de carbone et l'eau. Donc, ça, c'est une combustion complète du gaz propane. Donc, c'est un alcane. Elle appartient, bien sûr, à la famille des alcanes, comme le butane, que vous avez vu dans le cours. D'accord? Donc, C3H8, donc, il a le même, bien sûr, effet ou bien il produit le même produit que celle de butane. Pourquoi? Parce que ça gêne une combustion complète. Voyons cette équation chimique. Vous avez ici des coefficients. Il y a le 5 en bleu, il y a le 3 à gauche de la formule C en 2 en bleu, et le 4 en bleu à gauche de la formule H2O. Ça veut dire que le 4, le 3, le 5, il y a aussi un ici, on n'écrit pas. Ce sont des coefficients stoichiométriques. Par contre, vous avez le 3, le 8, le 2. Le 2, le 2, ce sont des indices. Alors, expliquons cette équation chimique. Donc, vous avez ici 3 atomes de carbone dans le réactif. Donc, il faut trouver le même nombre dans les produits. Vous avez ici 3 atomes de carbone. Alors, concernant l'atome d'hydrogène, vous avez ici 8 atomes d'hydrogène dans le réactif. Donc, il faut trouver le même nombre ici. Donc, on doit multiplier 2 fois 4. Ça va nous donner 8 atomes d'hydrogène, donc ça équilibre. Concernant la molécule, ou bien l'atome d'oxygène dans les réactifs, vous avez ici 2 fois 5, ça fait 10 des atomes d'oxygène. Il faut trouver ici des atomes dans les produits. Donc, si vous avez 2 fois 3, ça fait 6. N'oubliez pas ici plus, il y a 4 atomes d'oxygène, plus 6, ça fait 6, ça fait 10. Ça veut dire qu'il y a des atomes d'oxygène dans les produits et des atomes dans les réactifs. Alors, cette équation est bien équilibrée. D'accord? Donc, faites attention s'il vous plaît. Lorsqu'on veut équilibrer une équation chimique, n'oubliez pas d'ajouter juste un coefficient stoichiométrique à gauche de chaque formule. Et vous n'avez pas le droit de changer la formule chimique d'une molécule. Vous n'avez pas le droit de changer la formule ou bien le symbole atomique d'un atome. C'est-à-dire, on ne change pas les indices. Vous avez ici 3 indices, 8 indices. Donc, vous gardez les mêmes indices. Donc, il suffit d'ajouter juste des chiffres à gauche de chaque formule chimique. D'accord? On n'écrit pas au milieu dans la molécule ou bien à droite.
J'ai dit, je répète encore une fois, à gauche de la molécule ou bien du savon. Maintenant, je vous laisse mes chers élèves pour faire cet exercice d'application sous forme bien sûr des équations non équilibrées. Vous avez ici à peu près 9 équations non équilibrées. Donc la question, c'est d'équilibrer ces équations chimiques. Je vous laisse ça bien sûr pour faire ça à la maison. Et à la prochaine vidéo, vous allez bien sûr recevoir la correction. Ça, c'est un autre exercice qui est un peu compliqué. Donc ça, il y a une autre méthode qu'on peut appliquer pour équilibrer une équation chimique. Bien sûr, c'est de trouver les indices x et le coefficient stoichiométrique y. Voilà, qu'on voit ici dans cette équation chimique équilibrée. Bien sûr, d'après cette équation, je constate qu'il s'agit d'une combustion complète d'un gaz. Vous avez vu, bien sûr, je pense, vous n'avez pas vu ce gaz. Mais il faut trouver ce x, cet indice et ce coefficient. Alors, vous lisez bien sûr l'énoncé de l'exercice et vous répondez sur ces questions. Et bien sûr, à la prochaine vidéo, vous allez recevoir, comme j'ai dit, la correction de ces deux exercices. Et je touche bien sûr à la fin de cette vidéo. Je vous laisse. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo entre vous. Et merci et à la prochaine. Bonne fois. Inch'Allah.